Le nom Lude proviendrait du latin lucius, clair ou brillant, ce qui signifierait que le village ait été implanté dans une clairière, un espace défriché en forêt. L'endroit est nommé Lusedus dans une charte de Geoffroy Grisegonel, comte d'Anjou en 976. Lors du partage de l'an 10, le tracé décidé pour le canton du Lude peut s'avérer inattendu. Aujourd'hui, en effet, il associe un morceau du Maine, Luché-Pringent, à une partie Nord-Anjou, la Bruère-sur-Loire et Chenu, et vers Château-sur-Loire. À mi-chemin entre Tours et Le Mans, aux portes de l'Anjou, le château et les jardins du Lude s'inscrivent dans le parcours des grands châteaux de la Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO. Au-delà de son aspect imposant, le Lude est avant tout un site doté d'une âme que l'on ressent tout au long de la visite. En effet, il est un des rares parmi les grands châteaux à être encore habité, objet de tous les soins d'une famille qui l'occupe depuis 260 ans. Une des rares statues que l'on croise dans ce parc. Quatre en un. Le château est un témoignage de 4 siècles de l'architecture française. Forteresse défensive transformée à la Renaissance et à l'époque classique en une élégante demeure aux allures de palais. Petits et grands se laisseront encore séduire par le labyrinthe, les écuries ou les souterrains, autant de belles surprises qui jalonnent la promenade. Le monument domine la vallée du Loir et les jardins qui l'entourent ont été façonnés au fil des générations, mêlant harmonieusement les parterres réguliers avec un parc à l'anglaise. Roses chinoises, topiaires, labyrinthes et collections botaniques rythment la visite.